السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شير فريد السلام عليكم السلام. Nous continuons nos cours sur les rêves, mais aussi exactement nous allons parler des deux prisonniers qui vivaient avec Youssouf dans la prison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Yousouf, c'est la traduction française, deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit, et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Bon, avant d'interpréter le rêve, le prophète Youssouf, sachant que ces deux prisonniers ne croyaient pas en Allah, il les a d'abord appelés vers Allah pour leur montrer la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'à l'époque, les gens d'Égypte croyaient à des dieux différents, à des dieux de pierre. Voilà. Maintenant, Youssouf, après cela, leur dit, pour répondre à leurs questions, Youssouf leur dit, « Oh mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs ?» Qui est le meilleur des seigneurs, éparpillé ou Allah? Ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Après cela, il dit, ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Bon, il faut savoir que ces deux prisonniers étaient des valets du roi. Ils travaillaient pour le roi. L'un était cuisinier et l'autre servait du vin au roi. Donc ici, Youssouf leur a montré leur destin différent. L'un qui sera crucifié, qui sera donc mort, qui sera pendu, et l'autre aussi qui sera sauvé et qui va se retrouver au palais. Donc le fait que des gens mécréants qui ne croient pas au Dieu unique voient un rêve qui se réalise, ça peut être. Donc c'est pas seulement les bonnes personnes qui peuvent rêver une bonne chose, mais la plupart du temps quand des gens mécréants voient un rêve qui se retrouve effectivement, qui se réalise effectivement, cela montre que ces gens-là pourraient être de bonnes personnes à l'avenir. Sallallahu alayhi wa sallam.